donc dans une casserole à fond lourd. Nous allons faire réduire en premier le vinaigre et un trait de vin blanc. On va ajouter la moitié de l'estragon, un peu plus. Le poivre en mignonnette. L'échalote et nous allons mettre un tout petit peu d'eau pour laisser réduire l'échalote. Voilà, on va laisser réduire à peu près 3-4 minutes. Il faut qu'il reste un tout petit peu de liquide au fond de la casserole. Notre réduction est terminée. Donc, vous voyez, j'ai laissé un petit peu de liquide. Je mets tout de suite mes jaunes d'œufs. Donc dans la casserole qui est encore un peu chaude. Il faut fouetter énergiquement. Et là on peut remonter un petit peu la température. Donc ici on est en train de en fait faire une émulsion. Vous voyez la température est un peu chaude, donc c'est pour ça que les jaunes ils moussent tout de suite. Mais c'est pas plus mal parce que ça fait gagner du temps. Il faut juste bien contrôler la température et sortir du feu dès que c'est un petit peu trop chaud. Vous voyez, ça commence à épaissir un petit peu. Donc il faut que votre main puisse rester au contact de la casserole. Donc là c'est peut-être un petit peu chaud, on va baisser un peu. Et à chaque coup de fouet, on doit voir commencer à voir le fond de la casserole. Voilà, je remonte encore un peu le feu. Voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Voilà, là on voit bien à chaque coup de fouet. En plus, il y a presque une virgule qui se forme. On va arrêter. Donc là maintenant, on va la monter au beurre. Donc j'ai clarifié un peu de beurre. Une chose que je n'ai pas fait, c'est saler. Donc on va saler tout de suite avant de mettre le beurre.
belle sauce. Bien onctueuse. Voilà, il reste un tout petit peu de petit lait. C'est pas grave. C'est pas ça qui va faire rater votre sauce. Voilà, une sauce béarnaise pour les gourmands. De la sauce Sakari. Je pense qu'on peut en remettre encore un petit peu. Le persil haché. Donc en saison, si on a du cerfeuil, de l'estragon frais, un peu de coriandre, de la ciboulette, donc voilà notre sauce. Racle bien les bords pour bien mélanger. On va goûter. Oh, c'est génial. Alors moi j'aime bien laisser les échalotes et le poivre parce que de temps en temps vous croquez dedans et ça fait dans la bouche avec ce que vous allez manger, soit une viande, soit un poisson, ça va éclater. Et c'est vraiment c'est une sauce qui est remarquable.